Bonjour, ravi de vous accueillir sur le tracé de Barcelone aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle voiture dans ce track day. Vous l'avez certainement reconnu à son look bien particulier, la Ford GT à la réglementation GTE qui fera ses débuts dans la Sarthe cette année en 2016 avec pour les 24 heures du Mans le retour de Ford après les glorieuses années 60 face à Ferrari. Eh bien Ford revient par la grande porte avec un modèle qui n'est pas sans rappeler la Ford GT des années 60 et 70, mais celle-là est bien particulière parce qu'elle va envoyer sévère. Alors on n'a pas encore beaucoup d'estimations techniques de cette voiture malheureusement puisqu'elle est encore en étude, etc. Donc on n'a pas vraiment les chiffres officiels. En tout cas, elle devrait bien se défendre. Le premier souci, ce sera la fiabilité pour elle lors de ses 24 heures du Mans 2016. Mais on fait confiance à Ford pour nous sortir un gros numéro. En tout cas, ce mode est disponible gratuitement. Vous pouvez le retrouver bien sûr dans la description. Une voiture assez intéressante, en tout cas visuellement. J'ai hâte d'avoir le mode M6 GTE en développement pour aller chercher cette Ford GT et nous faire quelques beaux combats avec la Corvette. Une voiture assez agréable à piloter avec beaucoup d'appui en courbe. Vraiment, on sent que l'aérodynamisme est fondamental pour cette voiture en piste. 7 vitesses, une boîte 7 rapports qui fait le travail quand vous êtes en ligne droite ou à l'aspiration avec un adversaire. Visuellement, c'est très propre, c'est quasiment identique à ce qu'on a pu voir sur les photos, donc vraiment pour du modding, c'est très bien fait, parce que je ne pense pas que cette voiture ait déjà été présentée dans un jeu vidéo, ça m'aurait échappé, mais vraiment, vraiment beaucoup. Donc vraiment pour du modding, c'est vraiment bien réussi. Le son, je ne sais pas s'il correspond à la vraie voiture, parce que bon, j'ai pas vraiment entendu. Ce sera un moteur Ford EcoBoost, évidemment, c'est la technologie mise en avant par le constructeur américain, donc on va voir ce que ça va donner en 24 heures du Mans. En attendant, si vous êtes impatient d'attendre ce mois de juin 2016, eh bien, je vous propose de monter à bord de cette Ford GT sur Assetto Corsa, monter le son et profiter de ce doux moteur américain. Thank you.